as deep as I could remember, as deep as I could remember. Bah alors, tu fous quoi pour rentrer comme ça? Tu m'as trop manqué, ma poulette. Tu me trompes là, tu me trompes. Meuf, j'ai la phobie de l'appendicite. Tu peux pas me balancer ça par message après Pumkala pendant une semaine? Moi, j'ai cru que t'étais morte. Je suis désolée, ils m'ont donné plein de médicaments et tout. J'ai dormi toute la semaine. Bah, ça se voit, t'es toute palote. Mais bon, même sans forcer sur le fond de teint, madame est toujours aussi jolie. Moi, je passe une sale nuit, le pot il passe direct, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai un nouvel anti-cerne. Attends, je te donne les références, il est incroyable. Pour ce motif, on y va? J'suis trop pressée. Motivation. On va passer une super journée, ça va être incroyable. Bon, j'ai manqué quoi? Eh bah absolument rien. Voilà, ce lycée, c'est le trou noir intersidéral de l'ennui. Mais qu'est-ce que je pourrais te raconter d'un petit peu croustillant quand même? Demain. On a la bande à Lola qui nous souhaite encore. Hein. Les travaux dans leur lycée, c'est sans fin, meuf, c'est une catastrophe. Mais du coup, on va se les taper toute l'année. J'ai bien le seum. Et sinon, bah voilà, on a le fantôme des terminales qui nous hante encore. Hein. Putain, mais tu sais que ce mec-là, il me donnerait presque envie de bosser. Je te jure, genre juste l'idée de me dire que moi je vais redoubler et que toi tu vas avoir ton bac haut la main, je sais pas, ça me déprime. Enfin bon, si ça arrive, tu redemandes m'attendre pour la coloc, hein. Ah ouais, donc rien n'a changé, toujours aussi drama queen, quoi. Oui, mais moi au moins, madame, je pimpe pas mes seins avec un nouveau push-up. Quoi? N'y pas, s'il te plaît, je connais tes boobs mieux que les miens et ils ont genre doublé de volume. C'est quoi la marque? Je peux toucher? Ah, c'est gênant. Oh, ça va. C'est trop bien que tu sois revenue. T'as pu garder ton appendice? Mon oncle, il a fait ça avec ses calculs rénaux. Ah non, non, mais je vous jure, on dirait des petits cristaux, c'est trop beau. D'accord. Et quoi? Merci. Mais quoi? Non, mais ça brille dans le noir. Mais dès que j'ai un truc, c'est trop beau. C'est plus récent. Madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tiffany, oui. J'ai eu mon ami ingénieur au téléphone. Vous lui avez pas envoyé votre lettre de motivation? Je suis désolée, ça a été un peu compliqué pour moi la semaine dernière. Oui, oui, je sais, vos parents ont envoyé votre certificat médical, mais c'était juste un mail à envoyer. Vous étiez pas dans le coma? Non. Vous êtes toujours motivée pour le stage? Oui, oui, bien sûr, oui. Bon, tant mieux. Vous savez, c'est une agence très réputée dans le bâtiment public. C'est exactement ce qui vous intéresse. Et je vais vous dire, d'ordinaire, ils ne prennent pas de lycéens. C'est juste mon ami qui me fait une faveur. Et ce sera un vrai plus, hein, pour votre dossier de prépa. Ça permettra de faire oublier vos 3 jours d'expulsion l'année dernière. Ben, je lui envoie le mail ce soir, promis. Bon. Vous êtes ma meilleure élève. Vous savez, ça arrive de faire des erreurs, mais enfin, il ne faut pas que ça vous marque à vie. Merci, madame. Hey, c'est par ici que ça se passe, là. Hein. Je sais, moi aussi, j'aurais aimé être en binôme avec ma besta. Mais en attendant de vivre notre meilleure vie, je peux forcer au niveau des filles un peu, là, s'il vous plaît. Ouais, pardon. Tu connais Serena Williams? Pas personnellement. C'est moi à la fin de l'année. 30 abdos par jour. Je vais être trop bonne, putain. Oh, déjà? Tiffany, je vous rappelle que vous êtes dispensée. Tenez les pieds de votre camarade, s'il vous plaît. T'es sûre, là? Ça
Ça va, c'est juste l'appendicite. Vas-y, arrête meuf, tu fais trop de peine là. Tu sues comme une truie, frère. Et même tes tétons, ils sont trempés, c'est ouf. Non mais ça va, flippin. Bon, j'avoue, c'est un peu moche. Eh, on dirait les montées de lait de ma daronne, c'est ouf. Attends. Ok. Mais ça va? Laisse-moi, je te dis. Je pouvais pas imaginer que... Je suis désolée. Casse-toi. Mes potes, ils m'ont offert un bouquin pour mon anniv. Ça s'appelle L'art du tact. J'aurais peut-être dû le lire jusqu'au bout. Tu me le rendras plus tard. Merci. Je vais y aller. Si t'as besoin de parler, tu peux m'appeler. Hein. Même on peut boire une bière, ou plutôt un coca avec les... Enfin bon, tu me tiens au jus. À vite. Bisous. Je comprends pas, j'ai des montées de lait alors que j'allaite pas, ça fait 10 jours. Alors c'est possible pendant les 2 semaines qui suivent l'accouchement, hein. Mais j'ai pas vraiment été enceinte et là on pourrait me traire comme une vache, ça a pas de sens. Tiffany, vous avez été victime d'un déni de grossesse totale. Ça veut pas dire que vous n'avez pas été enceinte. Je sais, mais j'ai continué à avoir mes règles. J'avais pas de nausées, pas de ventre, ça devrait continuer comme ça, non? Ok. Alors... Au lieu de se déployer dans votre ventre, hein, comme dans une grossesse classique, votre bébé s'est caché là, le long de votre colonne vertébrale. Même si vous n'avez rien senti pendant ces 9 mois, vous avez quand même créé un être humain. Ça, votre corps, il ne peut pas l'oublier. C'est beaucoup plus courant qu'on pense, hein. Chaque année, il y a à peu près 1600 cas, des femmes de tout âge, de tout milieu. La plupart du temps, elles s'en rendent compte durant la grossesse. Mais d'autres, comme vous, ben, le jour de l'accouchement. Je savais même pas que ça existait avant. Ben, je peux vous donner le numéro d'un collègue psychiatre, si vous avez besoin. Ah non, pas besoin de psy, ça va, tout va bien. Oh, tu fais la file comme tout le monde. T'es qui, le fils de la cantine? Faut que je te parle. Deux. Attends, tu vas pas refiler Namesté, là. Non, pas du tout, mais on peut déjà en dehors du lycée. C'est moi et Judith qui m'attend. Ben, on se voit plus tard, alors, ou un autre jour. Bon, écoute, chef. C'est super ce qui s'est passé entre nous l'année dernière, mais c'était qu'une fois. Ok, maintenant j'ai ma copine et c'est mort. Faut vraiment que je te parle, c'est important. Faut vraiment que j'y aille. Oh,
Le physio, il a faim. Eh ben, vas-y, passe. Ouais, j'irai juste pour une bière. Mais t'inquiète, tu fais comme tu veux. On est là-bas. Comment ça, on? Non, tu leur as raconté? Ah non, bien sûr que non, c'est juste... Si tu m'as envoyé un DM et j'avais rendez-vous avec eux, donc je me suis dit que ça ferait du bien de voir du monde un peu, non? Bah, je sais pas, en vrai, je me sens pas très bien, je vais y aller, c'est pas grave, t'inquiète. Non, meuf, désolée, c'est moi, je suis naze, j'ai rien compris. Tu m'as dit une bière, du coup, je me suis dit que t'avais pas besoin de parler, mais... Mais tu sais quoi, si tu veux, on va ailleurs juste toutes les deux, ok? Non, ils vont trouver ça encore plus bizarre si on part toutes les deux. Non. Tu vas voir, ils sont trop cool. Hey, vous avez vu la dernière vidéo de Redouane ou pas? Elle est pas ouf, elle est pas ouf. C'est vrai, tu vois. Ok, bon bah on n'était pas potes l'année dernière, mais tout le monde sait ce qu'elle t'a fait. Donc tu veux pas qu'elle soit là, tu le dis. Moi je veux d'elle, hein. Ah ouais, donc c'est du mytho quand vous dites que vous êtes préjugé sur personne. Vous êtes pas si ouvert que ça en vrai. Hein. T'as raison, Joe. Putain, je pensais jamais dire ça de ma vie. Enfoiré, là. Vas-y, pose-toi. Bon. Vodka. Qui en veut? T'en veux? C'est pas interdit de faire ça? Alors là, 8 euros la pente, tout est permis. Vas-y, discret au moins, mec, là. Faut vraiment qu'on trouve un spot pour faire la fête sans se ruiner, là. Ah voilà. Papy, mal, tu vas encore nous parler de l'hippodrome. Prépare-toi, Tiffon. Tu vas avoir l'impression d'aller après la terre et d'avoir rien vécu. Comme Bilal et moi. Pas de physio à l'entrée, pot commun pour l'alcool et peu importe ton style, personne n'a été refoulé. Ouais. Il y a que Ségou qui nous trouvait des lieux de ouf comme ça. C'est qui, Ségou? C'est un pote à nous qui a bougé dans une école de surdoués. C'est le genre de pote tu rêves de l'avoir dans ton équipe triviale, frère. Je te jure, il était hyper intelligent. C'est un truc de ouf. Coucou. Salut. Salut. Hola, que tal? Ah, mais vous êtes ensemble? Je rigole. Enchantée, Maya. Tiffany. Tiff. Tiff, la Tiff de la page Insta. Maintenant, c'est Tiff, la copine de Joe. Tu pars en voyage? Ouais. Chez moi. Lola m'accueille le temps que je trouve une chambre.
Le fils de ma logeuse est revenu de l'étranger, du coup je suis un peu à la rue. Ah merde, désolée. T'inquiète, j'ai l'habitude. Elle nous la joue Cosette avec son petit sac à dos, là. Une photo de mes parents morts, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin. Oh, t'inquiète. Je vais te chouchouter ma petite orpheline. Ah ouais. T'es prêt? Cette semaine, deuil hyper impossible, addiction, deuil, secret de famille, homosexualité. Et pourtant, elle a trouvé l'amour. Lola, le compte. T'es pas mal, ça. Non mais putain, Redouane, pour la millième fois, je serai pas le sujet de ta prochaine story. Ah ouais? Ça serait une story brute, t'aurais direct dit oui. Hein. Mm. Vraiment, Lola, tu veux pas être un message, je sais pas, d'espoir pour notre génération, tu vois, élever les gens, tout ça. Mais par contre, la meuf là, sans bras, qui a eu 20 au bac, énorme respect. Putain, c'était tellement émouvant la scène où elle tape ses choix sur Parcoursup avec ses pieds là. Mais tu sais que j'ai lâché ma larme, mec, c'était un truc de ouf, les gars. Les parents morts, le handicap, l'addiction, vous avez aucune limite en fait. Ah bah si, on harcèle personne. Oh. Enfin, ça. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'entre vous, vous êtes censés vous soutenir, pas vous rappeler les pires moments de votre vie. Non mais ouais, mais tranquille, Tiff. Mais justement, c'est parce qu'on est potes qu'on se permet de faire ça. C'est notre moyen de dealer avec la malheur, tu vois. Ouais. Puis si on devait pleurer à chaque fois qu'une mère nous tombe dessus, autant se tirer une balle tout de suite. Pour moi, ça changerait des rasoirs. Mais non. Il a chargé, là, ça. Tu lâches. Ça touche. Excellent. T'es pas moi. Tiré. Tiré, là, il a pas réfléchi. Si. Je vais alors ressortir avec un impossible. Non, on parle pas d'hyper impossible, c'est chiant. Je suis en train de faire pas. Attends, mais c'est mon verre, là. Ouais, je sais. C'est quoi, ton truc? De quoi, mon truc? Bah, tu galères à border les meufs alors tu leur files tes miasmes. T'es marrante, en fait. Bah, j'ai juste pas le même humour chelou, c'est tout. Pourquoi t'es là? Bah, j'ai pas l'air de me faire des nouveaux amis. Si, bien sûr. Mais ça m'étonne de toi. Je savais pas que t'en avais besoin. On se connaît pas, on s'est jamais parlé. On peut se voir sans se parler. Oh, le barman, il est barman, je te jure, il est barman. Il va pas le voir. Il va pas le voir. Ok, je te jure, il fait que me regarder. Il y a un truc qui a changé. Il s'est passé quoi comme malheur dans ton royaume, Quinty? Alors là, attention, je suis désolé, mais ça va pas du tout le faire avec la corde. Oh. Abuse. Si, si, tu consommes. Mais je consomme, moi, monsieur, je consomme des cacahuètes. Tu crois que mon bar, c'est un squat, ou quoi? C'est ça? En vrai, c'est un squat. Mon bar, c'est pas un squat, en fait. Putain, mais j'aime pas partir sans payer, les gars, sérieux! Dans la soirée dans ma chambre de bonne, si tu veux venir. Ah, c'est gentil, mais il y a mes parents qui m'attendent et tout. Je comprends, t'inquiète. Vas-y avant que ton carrosse se transforme en citrouille. Désolé, là. Bon. Bon, bah, on se voit au lycée. Salut. J'arrête pas de me refaire le film dans ma tête et je comprends pas comment ça a pu lui arriver. Je comprends. Bon, bah écoute, arrête, tu vas pas commencer avec ça. Elle a été en classe cette semaine, ça va. Alors, parlons-en de l'école. Déjà, l'année dernière, l'histoire du harcèlement, c'était compliqué, mais alors, là, franchement, c'est énorme.
puis franchement, comment toi, t'as pu ne pas te rendre compte qu'elle était enceinte? Quoi? Mais tu me poses vraiment la question, là? Il y a quoi que tu comprends pas dans déni de grossesse? Non mais attends, t'es sa mère. Non, on sait même pas qui est le père, ça aussi. Bon, alors écoute, ça suffit, là. Tu vas arrêter de nous emmerder à ressasser les mêmes conneries, ok? Il faut avancer, là, d'accord? Il faut avancer. Mais comment tu veux qu'elle avance? Elle a abandonné son enfant. Enfin, je sais pas, on aurait jamais dû accepter. On aurait dû lui demander de le garder. Je sais pas, on aurait pu s'en occuper. On aurait pu l'aider. Mais toi, tu vas t'en occuper, mais t'as pas été foutu de t'occuper d'elle. Tu veux t'occuper de son gosse? Ça, c'est facile. Hein. Merci.